Je suis Léa Grillet, j'ai 25 ans et je suis journaliste à Radio Scoop. Je termine le collège, j'étais en classe au sport. J'adorais ça, je me dis, je vais continuer dans le sport. Je pars au lycée, je fais plein de trucs divers et variés au lycée. Et ensuite, en sortant du lycée, je me dis, je vais faire une fac. Donc je me lance dans une fac d'histoire. Catastrophe, pas beaucoup de cours, 15-16 heures par semaine. Qui toque à ma porte? League of Legends. Pas beau, donc League of Legends me dit, ah bah viens, on passe beaucoup de temps ensemble. Donc je passe beaucoup de temps à jouer à League of Legends. La fac, ça m'intéresse, mais pas tant que ça. En fait, je me dis, je suis hyper loin de mon projet de base, qui était quand même d'être journaliste, de base dans le sport. J'arrive à l'école, je passe les concours, tout se passe bien, les concours, c'est validé, impeccable, la joie, tu me dis. Et ensuite, au bout de 6 mois, je me dis, en fait, je veux pas faire du sport, parce qu'on faisait tellement de cours autres, il y avait de la géopo, de l'histoire des médias, plein de trucs, où je me suis dit, en fait, je vais avoir trop de mal à me contenir, à faire que du sport toute ma vie, à m'intéresser qu'à ça. Donc je me suis vite redirigée vers un projet un peu plus général. J'ai fait des stages dans des médias qui n'avaient absolument rien à voir, en presse écrite, à la radio, après en magazine long format. Et en sortant d'école, après mes 6 mois de stage, du coup, j'ai signé chez Radio Scoop 3 ou 4 mois après la fin de l'école, je crois. Et j'y suis toujours. Les meilleurs souvenirs que j'ai, je crois que c'était pendant le confinement. On avait eu le droit de venir sur le campus pour bosser parce qu'on avait des gros projets de groupe à finir. Et en fait, j'ai passé un mois sur le campus avec tous mes potes à bosser comme des fous. Et on s'est éclaté tout du long, donc c'était génial. On faisait ce qu'on avait envie, entre guillemets, en production. Et donc on a fait beaucoup de lives, de vidéos, on a fait plein de trucs qui ont bien marché en plus, donc on était contents. Et ça, ouais, c'était hyper bien d'être en autonomie et de pouvoir faire son projet à soi, c'est génial. Maintenant, je suis journaliste, surprise, présentatrice, donc à Radio Scoop. Je suis matinalière, donc je bosse de 5h30, peu de choses près, à 12h30. Et donc, je présente les flashs, d'autres petites rubriques qu'on a aussi pendant la matinale. Ça, sur 2 zones différentes, dans la région, toujours en Auvergne-Rhône-Alpes. Et ensuite, à partir de midi, je m'occupe du grand flash de midi, le journal avec les 4 éditions pour toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, et après, je rentre chez moi. Ça arrive que je fasse un tout petit peu de reportage, une interview par-ci par-là, du montage, du tournage, on fait un peu de tout. Mais majoritairement de la présentation et un petit peu de web aussi pour écrire des articles. Donc je fais un peu de tout. Terminé. C'est chill. C'est sieste.